Bonjour, je suis Jared Block, le chef de communication à ICBL CMC. On se trouve aujourd'hui ici à le centre de réhabilitation à Bissau. Donc ça fait partie de la réunion, un dialogue national sur assistance à victimes ici en Guinée-Bissau. ICBL CMC est très heureux de pouvoir participer dans cette réunion, cette visite autant importante pour les victimes des mines antipersonnelles ici à Guinée-Bissau. En fait, ICBL, c'est ici parce que nous avons des partenaires sur terrain, même en Guinée-Bissau, même juste à côté, en Consomance, Sénégal, et le centre de réhabilitation fournit un service essentiel pour eux. Alors, le rôle d'ICBL ici, c'est de soutenir, si vous voulez, les politiques du gouvernement pour le soutien de ce centre de réhabilitation et de tous les services aux personnes handicapées, personnes discapacitées. Et bon, il y a les survivants des mines, évidemment. Bon, il faut dire que c'est absolument essentiel d'avoir, de soutenir ce centre de réhabilitation en tant politiquement, en tant financièrement. C'est essentiel d'assurer que ces services-là aux personnes handicapées et survivants des mines antipersonnelles continuent et que c'est soutenable, qu'il y aura des lois et des systèmes, des services soutenables pour assurer leurs services aux survivants des mines et à personnes avec un handicap, personnes avec une discapacité. Mary Donald.